Maintenant que tu as les 14 talismans, ton guide peut forcer la serrure et tu peux combattre Gulp. T'es prêt? Très bien, reviens quand tu seras prêt. Bravo, Spyro! Tu vas devoir sauter dans le trou du sol pour rejoindre Ripto et Gulp. Je peux te donner un petit coup de main. J'ai apprivoisé des ptérodactyles de la terre de Skelos. Ils lâcheront des objets qui t'aideront à combattre Gulp. Non, je veux pas y aller, putain. Je suis trop con, moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je voulais pas y aller. Je vais commencer par faire un truc qui va être très désagréable, qui risque de me faire péter un câble. Ben, c'est un circuit. Hein. Je vais faire une course, un circuit, une course, je sais pas quoi. Enfin, un truc où faut rentrer dans des trucs avant. Où faut détruire ou rentrer dans des arcs. À l'intérieur de Dark dans un temps limité. Voilà. Ça va me rendre dingue, mais je veux quand même le faire parce que. Parce qu'il faut le faire. Hein. T'es sûr? Ah, fais chier d'enculer le taras. Alors. C'est quoi ça? Non, c'est pas là. C'est glacier, je sais pas quoi. C'est pas là non plus, c'est ici. Il y en a peut-être une autre course, je sais pas. Je crois qu'il y a une autre course quelque part. Bravo, Spyro. Maintenant que tu as les 14 talismans, ton guide... Très bien, reviens quand tu seras... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai été téléporté ici? C'est quoi ce délire? Attends. Ici, c'est une course? Ouais, circuit glacier. Bon, on va le faire. C'est horrible, mais je vais le faire, hein, pas le choix. Enfin, moi, les trucs que je déteste le plus, après, je vais jouer à... Enfin, si j'ai la motivation, si je suis pas trop fatigué, j'ai pas envie de dormir ou je ne sais quoi, parce que bon, après, demain, c'est le taf. Je vais jouer à... Dark... Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, ça commence bien. Oh là là, putain. Hein? Ah putain. Oh là là, je vais en chier, je le sens. Ah, je vais en chier, je le sens. Et merde, fais chier. Oh non, mais qu'est-ce... T'es sérieux, toi? Un truc de psychopathe. C'est de la merde ce que je fais là. Ah putain, fais chier.
j'arrive pas à les choper. Je vais frotter le sol là, c'est pas bon. Bah oui. Ouais, c'est foutu, hein. Je connais rien du niveau, forcément, la première fois. Je vois pas où je dois commencer. Ah bah c'est fini, c'est trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'ai? Les patineurs, les autoneiges... Les auto quoi? Mais les mecs, ils sont pas sur des autoneiges. D'accord, alors les mecs qui flottent au-dessus, qui flottent dans les airs... Ouais, ça je connais. Non, en même temps, je regarde la version 1999, puisque Spyro est sorti en 1999. Un an, un Spyro. Chaque année, un Spyro. Trois Spyro en 3 ans, voilà. Ouais, c'est ça. Oui, trois Spyro en 3 ans. Bon, à l'époque PlayStation, je parle. Hein. Et dire que les gens se plaignent d'Assassin's Creed, ça me fait doucement rigoler. Mais doucement rigoler. En plus, les jeux, ça durait 2 secondes. Hein. Alors, si le mec était plutôt bon... Les jeux duraient 2 secondes, les Assassin's Creed ça dure pas 2 secondes, hein. Donc c'est moi qui te le dis. Donc c'est... Je comprends pas pourquoi on se plaint des Assassin's Creed, enfin pourquoi des gens se plaignent des Assassin's Creed alors que finalement... voilà quoi, enfin, c'est du n'importe quoi. Même si moi je suis pas fan des Assassin's Creed, je les trouve pas mauvais, mais j'en suis pas fan non plus, faut pas déconner. Allez c'est partout, on recommence, putain ça va être chiant, ça va être chiant. Enfin, moi les trucs que je déteste le plus dans le jeu. Bon, je dois faire quoi, là? Et ils sont passés où, les autres, là? Ah oui, ils sont plus bas. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, faut défoncer les mecs qui sont en haut et défoncer les mecs qui sont en bas, ensuite. Il y en a encore un, là. Et maintenant qu'on a défoncé les mecs. Ah putain, le bordel de merde. Comme ça. Il me manque encore, hein, d'abord. Mais je perds beaucoup trop de temps. Ah, je perds beaucoup trop de temps, c'est foutu. Allez, je sais pas ce que je dois faire, c'est juste la merde. Rien, putain, fais chier. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Je suis comment? Ah d'accord, ok. Bon, on va peut-être commencer par les arches. C'est le monde sous-marin. Mais merde, putain! Fuck. On recommence. L'arche, elle est juste à côté de nous, quoi. T'as pas le temps de... Elle est à droite. Ah, putain. Attends, merde. Attends, y'a un truc qui je comprends pas. Attends, merde.
pas. Ah! Non, il y a un truc que je comprends pas. Attends, je fais comment là? Non, je les défonce. Ça les défonce les deux en même temps, en fait. Je crois que ça les défonce. On va se mettre plutôt sur le sol. On va les défoncer par terre, comme ça. Les mecs d'en bas et les mecs d'en haut vont crever. Putain, fils de pute de merde! Putain... Je vois plus l'autre... Putain, il est où? Il est là-bas. Il est où, il est? Ah, putain, il est... Ah, mais non, ils sont toujours là, les mecs d'en haut! Oh! Ah, je pensais que ça allait défoncer ceux d'en haut, ils tombaient, je crois. Je pensais qu'ils allaient se casser la gueule, mais ils sont parachutes, donc... Bon, bah, tant pis. Hein. On va quand même s'attaquer à eux. Plus rapide à buter. Rien. Je crois que c'est bon, ça va. On va s'attaquer à eux. Allez, plus vite, là! Ah, je fais n'importe quoi. Je vois plus rien, putain, je vois plus rien! Je sais pas par quoi je dois commencer pour aller super vite. Les arches, c'est pas possible, je vais pas commencer par les arches. Par ça. Bah non, ouais, je peux pas commencer par ça. Je comprends pas, je dois commencer par quoi? Pour aller super, parce que là, je perds du temps avec ces enculés, ils tournent en rond. Et... Faut faire les arches, non? Je perds du temps. Peut-être que si. Ah oui, ouais, c'est ça. Le dernier, il est là. Moi, je l'ai pas défoncé. Putain. Rien. Ah! Ah, c'est pas le moment. De marcher, connard. Rien. C'est bon. Attends, il y en a là. Ah, là-bas. C'est bon. Allez, les buts. Allez, 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 on se dépêche. Dépêche, je perds du temps avec eux. Bon allez, on y va. Je vois rien. Oh, oh, c'était le plus simple finalement. C'était le plus simple de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était celui-là le plus simple. Finalement. J'en ai bien chié, mais c'était plus simple. Enfin, j'en chie toujours. Je pense pas que c'est moi qui suis plus... Non, non, je pense que vraiment, c'était le plus simple. C'est vraiment le plus simple.
De tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est celui-là le circuit le plus simple. Les autres, même ceux du 1, hein, sont beaucoup. Même le tout premier circuit du 1, il était vraiment galère. Ça m'étonnerait que j'ai fait des progrès à ce point-là, quoi. Faut pas déconner. J'y crois pas. Je ne crois pas. Je ne peux pas être aussi bon que ça. C'est pas possible. Non, je suis une merde. Pourquoi il y a marqué 80? Patineur 80. Et l'autre, c'est une croix. Je comprends pas. Quoi, j'ai oublié des gemmes? Non, attends. Un truc que je comprends. Ah, puis j'en sais rien. Allez, quitter. Je l'ai terminé, point barre. De toute façon, il n'y a pas à récupérer toutes les gemmes. Il n'y a pas de gemmes à récupérer. Enfin, si, il y a des gemmes à récupérer, mais je veux dire, je les ai récupérées, quoi. Enfin, je crois, enfin, j'en sais rien. De toute façon, je verrai ça en appuyant sur... ouais, bon, bref. Putain, j'aurais bien aimé me faire le jeu en entier Skylander. J'aurais adoré me faire, parce que moi, je trouve magnifique le jeu. D'une beauté à couper le souffle. Dommage que ça soit un jeu d'enculé, un peu comme Nintendo. Parce que ce soit un jeu d'arnaqueur, un jeu qui te baise le cul, qui te pénètre. Bien violemment. C'est vraiment dommage parce que vraiment Skylander est super beau quoi. C'est vraiment dommage. C'est un jeu qui veut juste baiser le cul. Hein. Et baiser le cul des enfants parce que c'est un jeu de. C'est un jeu pour enfants tout simplement. Mais baiser le cul à ce point-là des enfants, c'est violent quand même. Hein. C'est proche. Hein. Faut y aller quoi. Ouais, tu veux jouer à notre jeu complètement? Eh ben faut acheter des figurines qui coûtent la peau du cul. Voilà. C'est horrible quand même, c'est des gosses, les gosses ont pas autant d'argent. D'accord, c'est les parents qui payent, mais les parents ne peuvent pas payer toutes les ce genre de conneries. Sauf si c'est des parents riches encore. Qui diront non, je veux pas, parce que voilà, c'est chaud. Donc c'est vraiment un coup de pute de la part d'Activision, quoi, c'est des fils de pute, y a pas d'autre mot. Y a pas d'autre mot, c'est des gros enculés, quoi. Enfin, vraiment être la pire des salopes pour faire ça, quoi. Moi, être la pire des putes, quoi. C'est bon, bon. Maintenant, c'est circuit, je sais pas quoi. Mais ça aussi, ça doit être encore un truc. Faut récupérer tous les trucs à un temps bien précis, là. Ça vient me casser les couilles. Il y a des niveaux, c'est le rêve, puis des niveaux, c'est le cauchemar. Putain, c'est cool. Oh là. Ah, merde. Oh là, mais attends, mais s'ils sont éloignés les mecs, ça va pas le faire. Il est là-bas quoi. Non plus qu'un. Je sais pas. Ah, il est là-bas. Maintenant c'est ceux qui se tendent au-dessus des pieds là. Oh là là, putain. Putain, bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des pigeons, encore des arches. Ils sont où les arches? Et les panneaux. Des panneaux maintenant. Putain, oh là là. D'accord qu'il n'y a pas de gemme maximum à récupérer, quoi. Ah, attends, faut. Oh putain, j'avais oublié, c'est vrai, il y a une orbe à récupérer. Mais faut discuter avec qui? Ah, de toute façon, je regarderai dans la version. C'est vrai qu'il y a une orbe à récupérer. Bah oui, sur qui dégage, il y a une orbe à récupérer, putain de merde. Je me suis barré, j'avais carrément oublié qu'il y avait des orbes à récupérer. Ouais, sinon les gemmes, j'ai tout récupéré, c'est des orbes. De toute façon, à partir du moment que j'ai défoncé tous les trucs à détruire, quoi, ben, j'ai récupéré toutes les gemmes, quoi. Ah putain. Ah putain là. Ah, c'est chiant, putain, il y en a marre de jeu de merde. Hein? Ah oui, je me disais, tiens, c'est quoi ça? J'ai jamais fait, mais si. Allez, allez. Ah! Cuisse. Tout là-bas, c'est super cool. Oh là 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 là.
quelle galère. Putain, la flotte est pourtant super basse, hein. Et j'ai réussi à l'atteindre, les sauteurs. Heureusement, on perd pas de vie dans ce genre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De voir ce qu'il y avait là-dedans. Rien de très intéressant. Je vais par là. Elles sont où les arches? Je comprends pas là. C'est par ici. Ah mais merde! Ah, il y en a là-bas. D'accord. Non, pas d'accord. En fait, ça fait chier, j'ai pas compris. Merde, j'ai oublié d'activer le chrono. Ah, j'active le réveil pour demain matin. Ouais, on y retourne. Super. Après, il s'éloigne et là, ça devient du n'importe quoi. Ça me fait perdre grave du temps. Ah, ça me fait perdre un point de vie. Ah, il était là, lui. Je le voyais même pas. Des problèmes de vie. Yahoo! Ouais, c'est bon. Arrête. Sans j'ai loupé le pigeon au début, donc. Ah, fais chier, putain de bordel de merde! Et puis
gens, ils sont trop éloignés, ça me fait chier, grouille. Allez, 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 allez. Ah, je vois plus rien. Il manque un pigeon. Il est où? Attends, il est où le pigeon? Normalement, j'ai pas loupé le pigeon quand même au tout début. Où est-ce que j'ai loupé le pigeon? Je comprends pas. C'est quoi ça? Putain, ça ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, les ennemis dans Spyro, enfin les personnages dans Spyro, ils ressemblent à rien du tout, quoi. Ah, il était temps d'en faire un remaster, hein. Oui, mais je l'ai chopé, lui. Oh là là, je fais un détour. Mais non. Il est où le dernier? Putain, il est où le dernier pigeon? D'accord, il est là. Non mais ils sont trop éloignés, putain. Comment tu veux que je fasse ça? Ils sont beaucoup trop loin. C'est pas possible, ils sont trop loin, putain, les mecs là. Putain, merde! Ok, tac, 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 tac. Voilà. Va te faire bien enculer, putain de jeune merde. Parce qu'on va faire un putain de poteau de merde. Et là après, il y a un pigeon tout en haut là. Je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. Il est là. Ok, d'accord. Pigeon là. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu et je vais loin dans le ciel. Oh là là, je vois pas les mecs là, je les vois pas. Je les vois pas, j'arrive pas à les choper, putain. C'est bon, on va arrêter la catastrophe. J'ai loupé un pigeon bêtement. Mais je sais pas comment faire, dès que je chope tous les pigeons, comment faire pour les choper? Déjà, je fais un putain de détour pour ce putain de pigeon. Ah ouais, je perds du temps. Le prochain pigeon, il faut perdre un temps de détour. Oui, putain de pigeon. C'est dernier. Super bas, c'est pas ça. Allez. Ah, je vois rien. C'est bon. Non, mais qu'est-ce que tu fous? Abruti de merde. On va s'attaquer à eux. Quoi? Il est où le dernier? Il est où le dernier? Allez, allez, par ici. Ah bah, d'accord. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, faut que j'y retourne. Et que je fasse un... je sais pas quoi. Enfin, que je fasse un truc. Il en est où, lui? Ah ouais, je connais ce niveau, je reconnais ce niveau. C'est le niveau avec les mecs et... avec l'électricité, ouais. C'est le niveau où il y a de l'électricité. Il ressemble à quoi, les PNJ? Ouais, c'est vraiment le même jeu, quoi. Enfin, c'est vraiment un remaster. Pour moi, c'est vraiment un remaster. C'est pas du tout un remake. C'est un remaster. Pour moi, il faut du changement. Un remake se doit d'avoir du changement.
En tout cas pour un jeu vidéo. Pour moi, si ça n'a pas de changement, c'est le même jeu. Pour moi, c'est un remaster, quoi. Si c'est exact... Ouais. Oh, putain, attends. Ouais, je la reconnais, ils se mettent à courir, là. Là, c'est le niveau de l'électricité, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller où? Je dois faire quoi? Après, tu craches les trucs. Ouais, ouais, c'est exactement le même jeu. Hein. Je suis désolé, moi, j'appelle pas ça un remake, quoi. Je suis désolé. C'est pas parce que... Au contraire, c'est pas... C'est... Attends. Oh! Attends. Attends. D'accord. Attends. Merde. Je dois m'adresser à qui pour... Je dois pas m'adresser à eux. Je dois forcément m'adresser à quelqu'un pour faire le truc, là, non? On va activer les... J'avoue, ceux-là ils sont moins difficiles que ceux de ce, dans Spyro. Enfin, après c'est moins compliqué que dans Spyro. On a un petit peu plus de temps. C'est pas compliqué, sinon j'aurais pas réussi. Ratchet & Clank est moins compliqué que Spyro. Déjà. Bon alors. Je vais m'adresser à qui? Je dois parler à quelqu'un, non? Ou... Comment ça se passe? Ou alors je le fais plus tard, hein, c'est pas grave. Peut-être qu'il faut le charge de tête, un peu comme ça. Charge de tête, je sais pas quoi. Que c'est ça qu'il me faut. Parce que je ne vois personne là. Je... Voilà, c'est pas le moment de se casser la gueule. Quand je me casse la gueule, je recommence tout simplement pas. Et puis c'est bon. Évidemment, ce sera pas mon record, hein, puisque voilà. Moi, les trucs de record, tout ça, pas trop fan. Déjà parce que je serais incapable, et parce que ça me gaffe, quoi. Enfin, je sais pas. Après, chacun son délire. Il y en a qui jouent pour de la compétition. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, c'est bien même. Non, c'est pas bon pour eux. Sérieux, mais c'est où putain? Moi je vais être obligé de regarder la vidéo. Enfin, la vidéo de Wakfu, je sais pas quoi, quelle merde. Pour voir où ça se trouve. La version paix. Ouais, évidemment, ça c'est. C'est une aberration. Évidemment, le record. Ouais. Ah et puis merde, allez je me casse, tant pis, on verra ça une prochaine fois. Ça me gagne, on en a marre. Y'a des piles là-dedans? Putain, y'a des piles. C'est de toutes des petites piles. Pas besoin de petites piles. Bah je sais pas. Je sais qu'il faut retourner pour récupérer l'orbe. L'orbe. Mais j'y arrive pas. Mais je sais pas à qui faut s'adresser. Donc, maintenant que ces deux trucs sont faits, il va me falloir... Ah, il me manque plein de trucs. Parce qu'il me manque la charge tête ou je sais pas quoi. Voilà. Alors, la colline faille, il me manque. Voilà. La... Cône magma, je sais pas quoi, l'oasis ombragé, il me manque aussi, le circuit de glace et le, je sais plus quoi. On va affronter le boss. Je vais affronter le boss. Parce qu'il y a de fortes chances que, ouais, c'est sûrement ça.
que ce soit machin qui m'offre. Il y a de fortes chances que ce soit Bidule là, comment il s'appelle déjà, Grossou qui m'offre l'aptitude de faire le charge-tête. Comme il m'a offert il m'a vendu le moyen de m'accrocher. Il offre à rien évidemment ça. Ça. Il m'a vendu le moyen. J'étais obligé de le payer pour me permettre de m'accrocher. Je pense que ça sera la même chose dans le prochain monde. C'est-à-dire que dès que j'arriverai dans le prochain monde, il faudra que je revienne dans ce monde pour le terminer normalement à 100%. Voilà. Normalement. Donc cette fois-ci, pour l'instant, on va affronter le boss. C'est parteuse. Avalar nous appartient enfin. Tu as mérité une récompense spéciale. Gulp, qu'est-ce qu'il y a? Oh, la fée, c'est parti. Tu as cramé ma cape. Dragon, tu commences vraiment à beaucoup m'agacer. Au revoir, gueule de flamme. Gulp. À table. Gueule de flamme. C'est-à-dire, on dirait qu'il dit deux fois gueule, mais en fait, ça s'appelle gulp. Mais on dirait qu'il dit gueule. Bref. On est partouze. Gulp, achève-le et tu auras toutes les fées que tu voudras. Ça va beaucoup m'abuser. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Ah, je l'ai. Je vois plus loin. Mon personnage. Ça. Arrête pas de me défoncer. En plus, la caméra elle est trop proche. Là. Merde, putain! Le laser, faut pas courir parce que faut essayer d'éviter les lasers sans courir. Ah, je découvre le jeu, hein. Je n'ai jamais joué à ce jeu de ma vie. Je n'y ai jamais joué. Putain de merde! Me casse les couilles cet enculé de... Voilà. Voilà, c'est bon. Les œufs. Ah, qu'est-ce que je fais de ça? Se rapprocher de lui quoi. Les œufs. Pas se rapprocher de lui. Attends, mais là il me vise carrément là. Ce gros fils de pute, faudra peut-être même pas que je bouge quoi. Il est plus compliqué que son pote. Ce gros bâtard de merde. J'ai besoin des ptérodactyles ou je sais pas quoi. Mais c'est impossible à esquiver, putain de merde! Ah d'accord.
pas bouger parce qu'en fait il te vise. Je ne pas bouger parce que. Voilà. C'est ça. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai rien compris. C'est quoi cette merde? Ça sert à quoi, putain, à part me tuer? Ça sert à rien, putain. Il me lance une espèce de missile, mais il sert à rien, cette espèce de merde. Ça m'a buté seulement. Culé, va. Bah, vas-y, quoi, il est bugué? Voilà. Non, j'ai pas besoin de... Voilà, faut vraiment esquiver quand... pas bouger, en fait, faut esquiver, quoi. Ah, ouais, d'accord. Là, tu vas l'avoir dans le cul. Petit PD. Qu'est-ce qu'il a lancé? Qu'est-ce qu'il a lancé? Putain, qu'est-ce qu'il y a dans l'œil? Allez, vas-y. Merde, je fais n'importe quoi, là! Allez, des œufs là! Qu'est-ce que c'est que cet œuf, là? J'arrive pas à lui. Hein? Là. Oh putain, va te faire foutre. Ah mais putain le fils de pute. Eh, où sont où les trucs là? Non, c'est pour moi. Bon d'accord, c'est pour toi. Va bien te faire baiser. Mais laisse-moi prendre le truc là! Putain, mais le prenez pas, cet enculé! Ah ouais, je suis mort là. Ah non, c'est bon. Il est où? Le papillon! Le papillon! Putain, mais... Non, c'est à moi! C'est à moi! Oh, joli! Oh, celui-là était beau!
Attends, attends, qu'est-ce que je fais? Non. Merde. Non! Merde, va te faire enculer, fils de pute! Non, c'est à moi, merde! Ramenez-moi mes putains de trucs là. Allez, 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 dépêche-toi! Bon, d'accord. Je tentais. Ça a pas marché, ok, d'accord. Ah putain, mais c'est de l'autre côté! Comment on fait déjà? Mais ramenez-moi ces putains d'œufs là! Qu'est-ce que c'est ça? Allez. Oh! Mais quel abruti! Mais quel gogol! Au mauvais endroit. Allez, allez, l'œuf. L'œuf, les œufs. Lâche-moi ce putain d'œuf là. Ok. On attend qu'il vienne vers nous et ensuite on se casse. Oh oh. Mais mange l'œuf, cette espèce de petit PD. Dessus, ça va pas le faire. Y a pas d'œuf, y a rien, on est à poil. Allez, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Peut pas l'électrocuter lui-même. Wouhou! Allez, allez. Bah explose! Voilà. Ah ça. Ah putain, ça c'est chiant ça. Quand il en balance que deux, ça passe, mais quand il en balance plusieurs. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, allez! Ah, le fils de pute! Oh, putain.
Là, quand il en balance beaucoup trop à la fin, là, ça devient galère pour les esquiver, quoi. Parce que je me rapproche de lui pour les esquiver. Quand je suis trop près de lui, bon, bah, c'est la merde, quoi. Merde! Ah, j'arrive plus à l'esquiver, c'est abusé! J'arrive plus à l'esquiver. Vraiment, je peux rien faire avec une putain de flamme de PD. Ah, ah oui, il faut le... On se rapproche de lui, ça pourrait le toucher. Les premiers, ça va, mais après... À esquiver, ça va. On a plus deux, ça passe. Tu l'as senti, celle-là ? Petit enfoiré de daube. Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas, de toute façon j'en ai plus. Ah si si, il m'en reste encore. Qu'est-ce que c'est ? Allez, 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 qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Oh la salope ! Oh la biatch ! Il a pris un truc. Il a pris un truc et moi j'ai pris de la merde. Qu'est-ce que c'est ? Bon allez, une petite dent à tête. Putain, je vois même pas où je suis, putain ! Caméra de merde ! Qu'est-ce que c'est ? Ouais mais ça va pas m'aider ça. C'est cru son kit. Ah ça leur donne de l'énergie. Oh putain ça leur donne de l'énergie bordel de merde. Ouais mais mettez pas tout sur sa gueule. Allez, allez, allez. Ah non, 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 mais il part, là. Putain, mais ça sert à rien, ce genre de merde. Ouais, voilà. Oh là, j'ai failli foncer sur... Attends. Allez, explose, putain. Sinon, je fonce sur... Bon, j'y arriverai pas à le buter, hein. C'est pas... Et là, je refonce dessus, j'ai tout contre à la vie. Même plus de machin. Ah, ça m'a tué en le touchant, ça m'a buté, évidemment. Je vais perdre toutes mes vies ici. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je perds toutes mes vies ici, c'est vraiment trop con. Mais putain, tu fais chier, putain! Ah, pause là, merde là! Casse les couilles avec leur mise à jour de merde là! Eh, mais attends. Normalement, je devrais. Euh...
Ah oui, mais non, oh là là, mais non. Non, ça fonctionne pas, c'est débile ce que je fais. Bon, on en est à plus de 32 minutes. Beaucoup plus, puisque j'ai commencé. Bref. Voilà. La foule bien dans le cul, PD. Voilà, calme-toi, calme-toi. Voilà. Allez, allez, allez. Allez, on tourne. On vise et bim. Voilà. Je me vénère. Oh, je suis vert, super vénère. C'est ça? Qu'est-ce que je fous? Ah, ouais, voilà. Ah oui, il détruit tout, quoi. Et merde, putain, mais pourquoi je fonce là-dessus, là? C'est quoi? Je me suis défoncé tout à l'heure. Laisse tomber là, j'ai perdu. Ouais, laisse tomber, j'ai perdu. Je me fais défoncer depuis une merde. Et depuis tout à l'heure, comme une merde. Pff, j'en ai marre de cheveux. Non mais ça va, ce boss je l'aime bien. Il est dur, c'est normal. Je trouve qu'il est bien ce boss. Ah putain, il me l'a dégagé. Il me l'a dégagé comme une schnex, connard. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, mais c'est un perpète. Oh d'accord, ok. J'avais pas vu. Mais oui, mais ça me touche. Je suis trop près de lui, ça me touche. Et ça me touche, mais pas comme j'aime. Il va être baisé, et pas comme t'aimes. Allez les champions. Allez, allez, explose, 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 bordel. Enfin, en tout cas, au début, faut que j'avance vers lui. Après, ça devient compliqué. On va juste avancer vers lui. C'est quoi? Oui, c'est ça, oui. Allez, voilà. Plus compliqué puisqu'il en lance tout plein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, allez. Oh! Je fais le mec, mais c'est pas gagné. Hein. J'aurais pas dû courir aussi vite. J'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave, c'est passé quand même. Oh, oh, oh oui, ça j'aime bien ça. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ils sont où les œufs? Les œufs, non! Ah, fais chier les œufs. Merde, crash! Putain, fais chier. Ah oui, mais je fais n'importe quoi là. Hein? Voilà. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ouais. Allez, 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 explose, 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 explose. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est dommage, ça ne touche pas. Oh putain, quel con. J'ai regardé au lieu de taper. Bon, bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ça, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu me laisses? Qu'est-ce que tu me laisses?
Allez, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Heureusement qu'il l'a pas pris. Merde! Eh, les œufs là, ramenez-vous! Ah putain, fais chier! Non, non, il reprend un truc, mais lâchez pas ça, putain! Bande de cons, lâchez pas ça! Je me fais défoncer comme... Non! Je vois plus rien! Je voyais plus rien, putain! Je vois plus rien avec cette caméra de merde, là! Faut pas lâcher des trucs comme ça, putain! On s'en bat les couilles! Faut lâcher un truc pour le tuer! Putain, je voyais plus rien, là! Faut lâcher un truc pour le tuer, pas pour le régénérer, bande de connards! T'es teubé, c'est pas possible! Putain de pterodactyle de merde là! Mais lâchez vos œufs là! Ah! C'est bon, explose, explose! Merde! Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je veux bien. Ça, c'est bien. Allez, ramenez-vous, bordel de merde. Qu'est-ce que tu laisses? Tu laisses ça? Oui, c'est... Ça le fait. Ouh, le sale cochon! Ouh, le petit... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, oui! Où il va? Allez! Voilà, ah, et ça me vise automatiquement, je sais, c'est cool. Enfin, automatiquement, façon de parler. Ah, fais chier! Bah oui, il y a la faute! Au bout d'un moment, je suis trop près de lui! Reste encore 3. Mais balancez-moi ces œufs! Merde! Ah! Culé! Mais ça sert à rien les bombes! Qu'est-ce que je fasse avec ces putains de bombes? Ouais, ça je vois. Fais chier avec tes bombes là, connard. Ah putain! Ah, fais chier, l'enculé! Balancez-moi quelque chose pour le buter, s'il vous plaît. Non mais pas ça, c'est de la merde. Allez. Oh ouh.
Spiro, tu as réussi. Wow, et Laura, d'où est-ce que tu sors? J'étais pas loin du château des plaines automnales. Le château est de nouveau libre. Il n'y a aucun signe de Ripto. Et comme tu n'as pas chômé, les créatures d'Avalar commencent à bien s'entendre. Comme tu as beaucoup fait pour Avalar, et comme je sais que tu aimerais prendre des vacances, nous avons décidé de faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu aimeras. Oh, waouh, c'est génial! Tu ne te joins pas à moi? Ah, non. J'aimerais bien, mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale. Il essaie de réparer le super portail pour te renvoyer chez toi. Oh, ça me paraît intéressant. Je pense que je vais rester là un moment et me faire bronzer. Hey, où est allée Laura? Je ferais mieux de la suivre. Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen d'accéder au monde des dragons depuis le super portail. Ce cristal de puissance devrait nous donner l'énergie requise. Encore une poignée de calcul pour tout configurer. Je crois que j'y suis. Excellent! Ça y est, tout est enfin prêt. Il va nous falloir beaucoup plus d'orbes, mais avec l'aide du cristal de puissance, le super portail devrait fonctionner. Oh! Ah! Ah! Alors, vous pensiez être débarrassé de moi? Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai persuadé ce gros lard, Richard, de me vendre quelques bombes. Vite, le cristal de puissance! N'essaie même pas, l'intello, ou tu seras le tas de cendres le plus malin du coin. C'est exactement le nouveau sceptre que je voulais. Chasseur, fais quelque chose, vite! Ah. Hey! Rends-nous ça! Bon, j'ai essayé. Bande d'imbéciles! Quand je vous aurai détruit avec mon nouveau sceptre, je vais rebaptiser cet endroit Riptonia! Non! Ça donne quoi un dragon qui bronze? Bref, bon. Ben, j'espère que cette fois-ci, cet enculé va me donner. Spiro, Ripto est toujours en vie et il nous a enfermés hors du château. En plus, il nous a volé le nouveau cristal de puissance pour le super portail. Spiro, continue de collecter des orbes. On ne peut pas t'envoyer au rivage dragon s'il en manque. Non seulement les orbes alimentent le super portail, mais ils t'aideront à entrer dans le château. Spiro, continue de coller. Bon, j'espère que Gripsou, Fourtou, je sais pas quoi, va me donner enfin des... Ah, c'est pas un truc où on fout un coup de boule sur le sol? Va me donner enfin la possibilité d'avoir le pouvoir de frapper ma tête contre le sol. De frapper la tête contre le sol. Enfin, je crois. Hein. Je crois que c'est ça, parce que je connais pas le jeu, donc j'en sais rien. Je pense que c'est ça. Bon, Spiro, voilà comment ça se passe.
je n'ai plus qu'une chose à t'apprendre. Et comme tout ce qui a de la classe, eh bien, je n'ai pas donné. Charge tête, voilà, c'est combien? Ok. La charge de tête n'est pas compliquée. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter avant d'appuyer sur action. Ouais, en gros c'est le sort rodéo de Mario 64, quoi. Sauf que tu le fais avec la tête au lieu de le faire avec le cul. Merde. Ah. Voilà. Bah, ils ont joué à Mario 64, hein. Ils ont joué à Mario 64, hein. Voilà. Alors, je vais récupérer quelques orbes ici. Ensuite, je retourne. Je retourne dans le monde. Dans l'ancien niveau. Vous savez, on a joué à Mario 64, hein. On a joué à Mario 64, hein. On sait comment ça marche. Ouais, sauf que vous avez pas de stick analogique sur votre manette. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, vous êtes bien con. Oh, oui. Ma foi, c'est une consolation que tu aies trouvé tant d'orbes. Mon portail high-tech va te mener au temple des nuages. Ouais, non. Tiens, c'est quoi ça? À tout de suite. Je veux bien aller au temple des nuages, mais pas tout de suite. De toute façon, je crois que je dirais à un moment donné ou un autre. Si je veux faire le jeu complètement. Ça aussi, ça. Merde. Ouais. Je me disais, les pierres sont suspectes. Faut taper juste à côté. Faut peut-être une petite partie de Darksider 3. Alors, j'ai terminé le 1. J'ai galéré à terminer le 1, c'était vraiment chiant. Je sais pas pourquoi. Ah. Ouais, ça m'aide grandement, putain. Oh putain, qu'est-ce que je veux? Oh là, mais non. Oh, bon, ça va. De toute façon, je peux pas y aller. Bon, Spyro, maintenant que tu as les orbes, la fin de Ripto ne va plus tarder, pas vrai? Pas vrai? Bon, en tout cas, bonne chance. Il est de l'autre côté de la porte. Ah, je peux y aller? Bah, j'ai pas toutes les orbes, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Mais par contre, je vois des gemmes. Non! Salut, petit. Je peux t'aider? Quoi? Encore toi? Ouais. Si tu veux tester ce cristal de puissance, pourquoi ne pas l'essayer sur moi? Je ne bougerai pas, promis. C'est une bonne idée. Dragon, tu as signé ton arrêt de mort! T'aider à combattre Ripto. Elora utilise les orbes que tu as collectées pour stocker de l'énergie bonus. Chasseur te jettera les orbes améliorées au fur et à mesure qu'ils seront prêts. En ce moment même, le professeur expérimente de nouvelles formes d'énergie bonus. Tu auras bientôt des compétences que nul n'a jamais vues. Je voulais juste prendre les gemmes. Hein. Mais. Bon. Je voulais pas affronter Ripto tout de suite. Hein.
J'ai encore plein de trucs à faire dans l'autre monde. Ouais, c'est par ici. Bon, Spyro, maintenant que tu as les orbes, la fin... Voilà. Les gemmes ont été récupérées, parfait. On va descendre. Pas de trucs à récupérer. Waouh. T'as pas intérêt à te casser la gueule. Hein. L'escalier est abrupt. Nintendo m'a montré comment faire. Mon plus beaucoup. Briser la pierre. Attends, c'est que ça? Y'a que le truc. Ah bah non, y'a pas que le truc de Richter. Ouais, mais moi ça me fait du bien. Et puis en vérité, alors oui, le jeu est court. Enfin, je pense que le jeu est court. Mais en même temps, il est. Comment dire? C'est quoi ça? Le monde des glaces. Ah ouais, je sais. Ouais, c'est ce que je viens de faire il y a pas longtemps. Les mecs qui font de la patinoire, les patineurs et tout. Ok, bon. Je vais pas rester là. Attends, j'en vois d'autres là-bas. Fortune-moi, j'ai envie de te tuer. Je vois que tu as appris la valeur des orbes, Spyro. Ce portail délicat devrait bien fonctionner avec ton impressionnante collection d'orbes. Ça se fait, cette liaison? Que tu as appris? Ça se fait, ça? C'est pas que tu as appris? Que tu as appris? Je vois que tu as appris? Je vois que tu as appris? Oh, ça me paraît bizarre. Enfin, on s'en fout. Tu as appris, non? Pourquoi pas? Je vois que tu as appris. J'en sais rien. Allez! Je retourne. Non. Pas par ici. On va. Je vais. Non, forêt d'été, c'est bon, c'est ici. Hein? Quoi? Attends. Il est dans le monde de la glace là. Comment il a fait pour arriver à... Comment il a fait pour arriver... Attends, je m'y pose, on verra. Là, il est dans le monde de la glace, enfin le circuit de la glace là, je sais plus comment on appelle ça. Et il parle à chasseur. Donc, faut parler à chasseur. Où est-ce qu'il est caché, ce con? Où est-ce qu'il est caché? Il est caché où, chasseur? Il est où, chasseur? Ah, il est là. Il est dans un igloo. Ok, d'accord. Alors. Alors. Il y a un monde, un niveau que je devais faire. Non, pas celui-là, c'est complet. Glacier de je sais pas quoi, non il est complet aussi. Ah ben on va voir tout simplement lequel directement, pas se faire chier. La colline, voilà, on va aller ici. Ouais, voilà. Pourquoi s'emmerder?
à chercher pendant les plombes alors qu'il y a juste à faire ça. Il est caché dans un igloo, ce petit cache, ce petit salopio. Ouais. Oh là là. Oh, la journée elle s'est torchée mais tellement vite. Oh, c'est abusé, le temps passe si vite et je... Bon, on s'en bat les couilles de... Oh, mais bonjour, monsieur Dragon. Plutôt mignon pour un quadrupède. J'aimerais bien te faire visiter notre temple, mais des terraformeurs l'ont enfermé dans la pierre. Comment ça se fait ? Ouais. Il est où, machin ? Chasseur. Je sais plus. Ah ouais, je dois retourner dans un niveau où la musique elle est toute pourrie, quoi. Putain, il est où, chasseur ? Par là. Où est-ce que je vais? Par ici. Je sais plus. Ah merde, qu'est-ce que je branle? Ah mais qu'est-ce que je fous, putain? Non, je. Par là. Oh non. Bah non, c'est par ici. Pas besoin de faire cette merde. Rien à foutre de ça. Merci de m'avoir lié. Non, tais-toi. Et par là. Ouais, c'est par ici. Attends-moi ici, il disait. Je vais transformer tes bottes en or, il disait. Oh, salut Spyro. Je suis content de te voir. Je te serais reconnaissant de trouver cet alchimiste. Il me doit un service. Attends-moi ici, il disait. Je vais transporter. Et merde, je vais recommencer ça. Merde. Oh, c'est chiant. Je dois tout recommencer, en fait. Enfin, peut-être pas tout. Non, je dois pas tout recommencer, mais je dois recommencer quand même. Je fais des expériences sur une nouvelle potion. J'aimerais bien l'essayer, mais avec les terraformeurs, difficile de sortir. Tu veux bien m'aider en m'escortant? Super! Éloigne de moi ces terraformeurs et j'apporterai cette potion à chasseur. Comment qu'on fait déjà? Ah, fais chier, putain! Tu veux bien? Oui, allez! Putain, dire que j'avais déjà fait ça. Faute. Hein? Merde! Je vois plus rien. Est-ce qu'il va ce con? Ah, il va par là. Merde! Ah, fais chier!
connard de merde. Oh, ça va commencer à me gaver ce truc. Tu veux bien. Ça peut pas aller. Il est où? Il est où l'autre? L'autre connard. Non. Non. Je vois plus rien. Je vais se mettre devant lui. Il est où? Il est où? Ah! Putain, je le vois plus. Mais où est-ce qu'il est? Nom de Dieu! Are you seriously? Hein? Mais où est-ce qu'il va? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu... Ah! Je me sens déjà bien mieux. Tu veux prendre ceci en récompense? Pendant que tu es là, tu veux bien m'aider à calmer ces stupides terraformeurs? Très bien. Quand je tire sur un terraformeur avec une flèche, tu fais une charge de tête sur lui avant qu'il ne se relève. Souviens-toi, pour cela, tu dois sauter puis appuyer sur action. Au sommet de ton saut! Au sommet de ton saut. Ah mais t'es sérieux? Attends. Putain. Ah mais... Tu veux réessayer? Bah mais c'est complètement con. Attends, le temps que je... Voilà, il va viser celui-là. Tu vas viser celui-là, on est d'accord. Hein? Ah, mais t'es sérieux? Mais il en vise deux à la fois, ce con, là! Merde! Mais saute! Putain! On fait une super équipe! Tiens, je voulais donner ça à l'alchimiste, mais je suis un peu fâché contre lui en ce moment. Ok. Il me manque les orbes maintenant. Je pensais vraiment que ma potion transformerait le roc en or. Avec un peu de sel, peut-être. Non, d'accord. Le problème, ce qui est con, c'est que... Va te faire foutre. Attends. Hein? Ah, ça serait trop facile. Mais je l'avais pas fait celui-là déjà? Mais si, je l'avais explosé celui-là. Putain, mais je l'avais détruit celui-là. Ah, mais je m'étais fait chier. Oh là là. Oh, ça va de ton sort. Ah bah. Ah, cool. Oh, ça va de ton sort.
Attends, j'en ai combien déjà? Ouais, je sais pas. Peut-être que j'ai jamais réussi en fait. Manger trop. Pas tourné. J'arrive pas à tourner, merde. J'ai d'accord. Ah, mais merde. Merde! Ah mais merde et putain, j'arrive pas à tourner! Culé de sa race de jeu de... Va te faire foutre. Ah! Nom de Dieu! Ah! Non! Où est-ce que tu... Ah. Oh putain! Ouh! Il va terminer. Je l'avais pas vu. Normalement, je pourrais partir, mais j'ai envie de faire le jeu, j'ai envie de faire le niveau complet. Ils m'ont bien cassé les couilles. Donc j'aimerais les m'en débarrasser. Après je sais qu'ils vont revenir, mais tant pis. Ils m'ont bien vénère. Pour le plaisir de les tuer.
mine de rien, c'est beau, ça aurait été bien en open world, ça. Un environnement comme ça en open world, ça aurait été magnifique, quoi. Ça aurait été magique. On a, je sais pas si on a déjà eu, enfin si on en a déjà eu, mais pas des gros, comment on appelle ça. On n'a jamais eu des jeux vidéo avec un style cartoon, triple A, open world. D'ailleurs, on a déjà eu un style cartoon. Ah putain, il y en a encore là. Mais ça n'a jamais été des open, ça n'a jamais été des gros triple A, des trucs énormes. C'est ça qui est dommage. Ah si, il y a eu Jack and Dexter, je mens. Il y a eu Jack and Dexter, c'était un open world. Et c'était bien. Enfin, c'était une sorte open world. Mais c'était pas... Bonheur d'être libre. Il ne reste plus qu'un faune à secourir. Ah, t'es là, toi? À cette magnifique caméra dans le cul, vous voyez pas. Alors, attends, il se pas en train de réapparaître. Non, non, non. Oh putain, je vais me casser la gueule. Je vais tomber dans la lave. La bouillie. Oh la lave. Bon, allez, des cochons, s'il vous plaît. Un cochon, s'il vous plaît. Il me faut un cochon. Oh putain. Oh les petits enculés. Les faunes qui vivent ici pourraient briser la pierre avec leur chant magique. Mais eux aussi ont été enfermés dans de la pierre. Mmh. Oh. Oula, ça fait plus d'une heure, là. Largement plus d'une heure. Maintenant que tu as secouru tous les faunes des collines de la faille, tu devrais explorer le temple. En fait, j'aimerais des cochons. Ah, des cochons. Forcément. Allez, viens me faire mon cul. Je récupère un cochon, je perds de l'énergie. Tout de suite après. Évidemment. Ah merde. Merde. Chier. Oh le con. Et pourquoi
Pourquoi je me fais chier, moi ? Je me pose des questions, des fois. Pourquoi je m'emmerde avec ces conneries ? Bon, allez, je me casse, c'est bon. C'est bon, je me casse, c'est bon. Allez, y'en a marre, on se casse. Non ! Tout a réapparu ! Enfin, je veux dire, même la pierre, là. Attends, mais... Ils sont pas tous... Attends, oh... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Pourquoi ils ont tous réapparu ? Ah bah non, regarde. Ouais, ouais, ta gueule. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Là, c'est bon, ça m'a gavé. Je veux juste... J'étais trop pressé. Maintenant que tu... Tais-toi. Tais-toi, je suis énervé. Tais-toi, je vais tout casser. C'est où, déjà ? Mais merde, va te faire foutre. Putain, je vais tomber. Allez, bordel. Salut, petit dragon. Tu t'attends sûrement à ce que je te dise que tu es un héros de sauver les filles en détresse comme moi ? Désolée, mais non. J'étais ici que parce que j'aime la paix et le silence. Mais bon, les autres faunes veulent que je te donne ce talisman. Allez, on se casse. Ah, je croyais qu'ils allaient les faire exploser. Au lieu de ça, ils les ont fait danser. Voilà. J'aurais préféré qu'ils les fassent exploser. Parce qu'ils font exploser la pierre qui entoure le château. Donc je pensais qu'ils allaient faire la même chose avec les terraformeurs. Mais non. Tant pis. Voilà, ça c'est réglé. Mais je veux m'arrêter là parce que déjà j'en ai marre de jeu de merde. Bon, j'ai quand même... non, bah, et puis ça fait plus d'une heure là. Donc j'arrête.